Alors, t'as la coco, comment ça va aujourd'hui, les filles? Ça va. Aujourd'hui, on quitte New York, on a quitté notre bateau qui est ici, et on prend un taxi pour aller à l'aéroport, un taxi jaune new-yorkais. Alors, c'est parti, montez les chouquinettes. C'est parti, on va à l'aéroport. Papa, c'est déchiré. Ah ouais, c'est ça, c'est New York, ça. Donc regarde, il y a même la vitre pour les taxis new-yorkais. Là, c'est la compagnie après. Carte de crédit. Allez, on monte. Il y a même la télé dans le taxi pour voir les infos. Non, il n'y a pas de télé encore dans le taxi en France. Et là, il y a Times Square par là. Le Lego Store, il est là, le Lego Store. Allez voir la vidéo avec le Lego Store, cliquez sur le petit i en haut. Attends. Hop là. Allez. Arrivé. Vous pouvez sortir les filles. Ok. On entre dans l'aéroport. JFK. Bon bah on va faire comme d'habitude, on va dire au revoir à la valise. Bon, on est un petit peu en avance pour le check-in, donc on visite. Là on est monté au premier, au food court, comme on appelle ça, c'est bien l'endroit où il y a toutes les choses à manger. Voilà, il y a la pizzeria, il y a les tacos, il y a McDo, il y a du wok asiatique, il y a du Dunkin Donuts, il y a un Starbucks. Voilà. Et pendant ce temps, ça s'amuse. Oh bah non, elle est morte. On va partir. C'est de bourrer, putain. Au revoir, valise. Mom. Calice fait des nœuds avec son casque. Ça va, Athéna? Ça y est, on a passé la sécurité. Maintenant, on va visiter rapidement. Voilà, on est au coin Duty Free. Duty Free, hein, c'est des fruits taxés. Alors là, on est au coin de tout, du chocolat. C'est des M&M's, c'est la brosse, le coin des alcools et des cigarettes, c'est moins intéressant. Dans le coin des chocolats, il y a la tablette chocolat de Donald Trump. Oh là 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 là. Des petits bonbons. Oh, gourmande. Gourmande. Et regarde là, les gros paquets de chocolat et de bonbons. Oh, les Jelly Belly, c'est bon ça. Dans le coin des M&M's. Oh, c'est beau! Statue de la liberté! Tu l'as vu, hein? Pretzel! Yum! Ah, c'est le pretzel. Voilà, on est au coin des parfums. Alors, le salon Air France est fermé, donc on va essayer pour la première fois le salon de Lufthansa. Voilà, une compagnie aérienne allemande, hein, je crois. Suzanne, ouvre-toi. Donc là, il y a le bar, si on veut boire quelque chose. Et ici, il y a tout ce qui est. Oh, regarde, t'as une fontaine si tu veux, t'es là avec du Canada Dry, c'est ici. Voilà, là il y a le café, il y a des M&M's, il y a des petits bretzels, il y a des bonbons, il y a de l'apéro, il y a du gâteau, et puis il y a un buffet. Derrière toi. Un buffet froid ici, il a un buffet chaud. Très bien, bon, on va manger. Allez. Et là il y a de la bisque de potiron. Allez, santé. Bonne fin de vacances. Voilà, bonne fin de vacances. Et bonne fin de vacances. Ce voyage se termine au pays de Big Brother. Et voilà, le soleil s'est couché, il fait nuit. L'avion de Brussels Airlines quitte le tarmac. Quant à nous, on va embarquer dans le A380 qui est ici. Et puis, on va amuser avec des petits fans. Voilà, ils sont amusés toute la. Eh ben, durant tout le temps, on était dans le salon de Lufthansa. Allez. On va embarquer. C'est parti.
Ah, ça y est, on va embarquer. On est avec des petits fans. On va faire avec nous dans l'avion. Regarde, c'est dans la vidéo. Regarde. T'es prête à t'envoler? T'as pas peur de l'avion? Non. Non. Bon. Ça y est, on monte à bord. Hello, bonjour. Alors, 62. Bonjour. Voilà, Athéna. Tu t'installes? Ça y est, là on est en face à faire dans le A380, c'est pas un petit oiseau. Hein. Là on l'a vu déjà à l'aller, il y a un étage inférieur, il y a un fond inférieur, il y a un fond supérieur. Oui, ça c'est pour mettre sur le casque. Ouais. Coucou. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite trousse, Athéna? Des chaussons, c'est sympa. Ah oui, ça. Hein? Ah non, c'est pour cacher les yeux? Ah non, c'est des petites housses pour les écouteurs, pour le casque. D'accord? Ensuite. Ah, des petits chaussons, c'est trop mignon! Alors, donc, comment ça marche ici? Là, on a quoi là? Là, on a la télé. L'écran. Papa, il y a des chaussettes hyper longues! Ah oui, c'est des grandes chaussettes ça. Hein, c'est des chaussettes pour tes bras en fait. C'est grand comme tes bras. Allez voir la première classe, pas aller voir la première classe. Ah ouais? Ouais, vas-y. Et on revient. Alors là on est en première, là c'est la première. Là c'est au-dessus de la classe à faire encore. C'est bien hein? T'as de la place hein? Oh. Et si j'appuie? Ça y est, on est en première. Et si j'appuie ici, ça se remet en siège. Excusez-moi de vous embêter. Ah, ça y est, on a mis en position lit. Bon, tu seras bien, tu vas faire un gros dodo. On se remet en position siège. Là on est dans une lignée de fans. Là. Ça va être sympa le voyage. Et là, les petites lumières. Tac, voilà. C'est bien la place à faire. Hein, c'est pas souvent, il faut en profiter. Avec un écran un petit peu plus grand, bien sûr, plus de place. Ça, c'est le test A380 Air France de New York à Paris. Charles de Gaulle, si jamais ça vous intéresse. Voilà, le test. On a vu la première hein, juste avant, rapidement, hein, parce que normalement, on n'a pas le droit d'y aller. Là, c'était l'embarquement. Et là, c'est la classe à faire. Nous avons l'économie premium juste derrière et l'économie encore juste derrière. Et dans le pont inférieur de la 380, en dessous, c'est la classe économie à 100%. Voilà. Papa. Bon, on a hâte de savoir qu'est-ce qu'on va manger maintenant. Oui, mais papa, oui. Elle est où la table? Elle n'est pas là, la table. Elle n'est pas là, la table. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de tablette. Mais comment on fait pour manger? On mange pas. Attends, je crois que j'ai trouvé. Voilà. Merci. Ça y est, on a trouvé la table. Galice, voilà. Tada. Papa, il y a réponse. Il y a réponse sur la table. On va pas pouvoir le voir. Je vais pouvoir regarder réponse. Elle se moque de moi parce que j'ai jamais vu réponse. Et on remet la table. C'est quoi ça? Violet. Violet. Merci. Toi, t'as violé, moi j'ai pris rouge. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, bah, c'est là qu'il y a la petite brosse à dents, sûrement. On va chercher la petite brosse à dents pour se laver les dents avant de dormir. Qu'est-ce qu'il y a dans cette jolie trousse? Ah, c'est mon frère. Alors, il y a un cache-toi qui vient dormir. Ouais, il y a les bouchons d'oreilles. On fait un unboxing de trousse de trousse. Un joli petit mouchoir pour essuyer les lunettes, peut-être. Un gel nettoyant en main. La brosse à dents. Et le dentifrice, oui. Il y a quoi d'autre? Ah, le fameux dentifrice. Évidemment, on ne peut pas se laver les dents sans dentifrice. C'est quoi ça? Un baume à lèvres réparateur. Pour avoir les protons à lèvres gercés. Un stylo. C'est pas un stylo, c'est un stylo tablette. Non, je pense que c'est un stylo normal, mais un stylo Air France. Ouais, tu vois. C'est les deux, ça fait un stylo tablette aussi, comme ça. Et... Ah oui, il fait tablette aussi. D'accord. Mais il faut pas mettre la bille. Et enfin, des petits mouchoirs. C'est tout? Ah non. C'est quoi ça? Je sais pas. Alors, une crème désaltérante. Là, c'est bon. C'est pour les mains. Ensuite, ça, c'est en papier, mais on a un papier. Bon, bah voilà. Et ça, c'est une jolie petite trousse, une petite trousse de toilette. C'est cool. Oui. Yes. Allez, on a une autre petite serviette pour se laver les mains, petite serviette chaude. Et là, tu vas faire un petit jeu, Athéna. Athéna, en fait, le siège et l'écran, il est tellement loin qu'on peut pas le toucher avec les doigts. On est obligé d'y aller avec les pieds. Voilà. Voilà. Ok.
Ah, non. Madame, monsieur, bonsoir. Tout l'équipage est heureux d'être en votre compagnie. Alors, pendant qu'Athéna joue à Winnie l'ourson, moi de mon côté, je vous conseille ce film-là qui s'appelle Break. C'est un film français de Marc Fouchard. Voilà, donc bah, allez-y, regardez-le. C'est très émouvant comme film. Mais ça y est, on est en train de partir. Et moi je regarde Brick. Voilà. Mais donc, je vous parlais juste avant. Athéna regarde les indestructibles de Calice regarde Ferdinand. Je sais pas si vous voyez là-bas, mais il y a un feu d'artifice. Voilà. T'as vu le feu d'artifice, Athéna? Un feu d'artifice, oui. Ça paraît tout petit. Ouais, un feu d'artifice vu d'avion. J'avais jamais vu ça. Ça paraît tout petit en fait vu d'avion, alors qu'en fait quand on est au sol, ça paraît énorme. Merci. Eh bien ça y est, mademoiselle est servie avec un petit menu enfant, du poulet. Des pâtes avec de la sauce tomate, salade, du petit pain, de la compote, du jus d'orange. Et t'as de l'Oreo. Oh, allez, regarde. Oh, il y a des Oreos. Oh, la chance. La chance. J'ai trop de chance. Vous avez vu comme j'ai de la chance? Et voici votre face. Est-ce qu'on souhaite voir quelque chose avec? Alors, voici du foie gras. Ça nous fait avec une petite salade et là il y a le fromage. Ça, je pense que c'est un petit dessert. Donc, il manque le plat chaud. Hein. Le plat chaud, c'est le poulet. Alors, peut-être que ça va arriver après, je pense. Hein. Et là, nous avons la tortue Athéna qui mange la salade. Pas belle la vie. Allez, c'est la fin des vacances. On en profite juste après. Voici le plat chaud, le poulet. Et Calice a pris le bœuf. Voilà, allez, bon appétit. Et voilà, le petit déjeuner déjà. Ça fait ton petit déjeuner. Tout le monde dort. On va arriver d'ici une heure et demie à peu près. Voici les toilettes. En face à faire, c'est plus spacieux, on peut le voir. Oh, c'est chaud, moi. Voilà, les filles font encore de dos. On va atterrir dans 30 petites minutes. Il y a même des rasoirs sur l'eau. Des petits parfums, de l'eau de Cologne. Le savon ici, l'eau chaude, l'eau froide. On avait ça. Voilà, c'est ça que ça intéresse. Au revoir. Ouais, ça y est. On est arrivé à l'aéroport de Charles de Gaulle à Paris. Ah, ça fait du bien. Calice, bien dormi. C'est court, hein. Ah, c'est court. Allez, on va se reposer maintenant. C'est parti, on termine ce vlog. Eh oui, c'est comme ça qu'on se quitte à l'aéroport, ici, à Paris. Oh oui, on va aller se reposer, d'accord, Athéna? Oui, gros bisous, mon cœur. Bisous, Calice. Bon repos.
Et gros bisous à tous, merci à tous les fans qu'on a rencontrés ce soir dans l'avion. Hein, vous êtes amusés dans l'avion, vous aviez des fans en voisin, ça c'est sympa. Et puis également, pas sur la croisière, il n'y avait pas de français d'ailleurs. Étonnamment, il y avait zéro français. Et par contre, à New York, on a vu pas mal de fans. Allez, gros bisous à tous. Et d'ici là, n'oubliez pas. Soyez. Vous, soyez. Et bien, bien. Soyez. Bon. Et vivez vos rêves. Okay.